FMD. François Marie Daniel. Tu viens? Oui. Ah, mais il manque une branche. Jours, ils font le pont 4 jours, c'est-à-dire que ils reviennent au vendredi, tu peux dringuer jusqu'à mardi, personne ne répond, ils s'en foutent aux archives départementales. Hein. Laisse-moi finir avec nous. Moi, je vais sur leur site parce que la maintenance, en maintenance leur site. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord. Merci Josiane. C'est à Anne que tu dois dire merci. Hein. Je te laisse 20 minutes. C'est en anglais, ça. Once, on, ça. Francis Richard. Éloi. Windsor. The first. Francis. Francis Richard. Éloi. Léon. Oh, monsieur. Tu sors d'où comme ça, mon loulou? Allez, je te sers quoi, une pinte, point de mie? Ah ben, t'as pas de la Guinness? Pourquoi, t'aimes plus ma 16? Ah non, mais c'est pour ça qu'ils boivent à Londres, hein. La Guinness, c'est irlandais, mon con. Mais pourquoi pas un whisky pendant qu'on y est? Ah ben, là, c'est trop cher, et je suis pas la reine d'Angleterre non plus, hein. Toujours été le moins pour les trois, tu parles anglais. Hein? Est-ce que tu lis la même chose que moi? Windsor. Mais c'est quoi ça, Windsor? Ah non, bah non. Vous avez devant vous l'arrière petit-fils de. C'est Lord Francis Richard Edward Windsor, sa first. Eh bien, écoute, à vous, mon lord. Attends, mais... C'est quoi ça? Tu m'expliques? Alors Anne, ça, c'est chez nous. Tiens, tu peux me tenir ça, s'il te plaît. Je nous ai acheté un lopin de terre en Angleterre. Et comme ça, j'ai le titre de Lord. Et c'est vérifié. Et c'est quoi les 3000 euros que je vois là? Ouais, c'est le prix. Le prix? Oui. Tu crois qu'on a 3000 balles à mettre dans un pot de terre avec une branche plantée dedans? T'as perdu la tête. Non. Top of the morning. My name is Francis Richard Edward Windsor I. Oh, tu es mon papy. I most certainly am. Oh, bah, oh. Ça. Faut l'aider, les gars. Il touche le fond, là. Je sais plus quoi faire, moi. Je suis vraiment désolé. Mais je pensais pas que ça allait autant lui monter dans la tête. Loche. T'as le niveau d'anglais d'un CE2. Comment tu veux être sûr de quoi que ce soit? Luggage.
Luggage. Luggage. Luggage. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein? Hein? Carry my luggage back to buy your passport. Mais j'ai peur que tu ne sois pas prêt à temps. Mais attends, pourquoi? Oh, my son. Your destiny. C'est sur le point de s'accomplir. Oh, mais les infos, la nouvelle vient de tomber. Hey, les gars. The queen is dead. Mais quelle queen? Mais ma cousine, Elisabeth, deux. Hein, là. Et là, je suis bouleversé. Bon, FMD, là, c'est plus possible, hein. Faut qu'on te parle. Ça va être à mon tour, maintenant. De quoi tu parles? De monter sur le trône. Oh, je... c'est ça, bien sûr. Monter sur le trône, votre Altesse. Mais, ouais. Est-ce que je suis prêt? D'où am I ready? D'où am I ready? N'importe quoi, hein. Tu sais qu'avant toi, il y a le fils, il y a le petit-fils, il y a tout un tas d'autres prétendants au trône. Tu me ferais pas revoir un peu le papier, là? Je suis pas sûr d'avoir bien traduit. Ce n'est plus la question. Le test ADN va confirmer, et puis alors malheureusement... 60 après... Il faudrait qu'au moins 60 personnes meurent au même moment pour que tu aies une petite chance de devenir roi. Eh oui, je sais, voilà. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Vu l'âge auquel elle a clamsé la reine, ça prouve qu'ils sont plutôt résistants. Ça m'étonnerait que tu poses un jour tes fesses sur ce trône. Alors donc, vous ne comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Hein? C'est mon destin. C'est comme ça. Ça va être ma vie à partir de maintenant. Quoi. Ta vie? Ouais. Non, mais j'en peux plus, moi. Mais moi, j'ai besoin de toi dans ce nouveau... voilà. Ça va nous permettre de sortir de ce trou pourri. Mais ralentis un peu, quand même. Ça fait un an. T'es complètement obsédé par ton arbre, ton aïeul, ton trône. Tu délires. Pense-moi, Marie-Danielle. Ça fait combien de temps que tu m'as pas pris la main? C'est quand la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais, moi? Quand? Mon FMD me manque. Non. Non. J'ai tout comme l'impression qu'on va devoir faire sans elle. Anyway, ne te laisse pas déconcentrer par ces anti-royalistes. I mean, you are king. Ouais. Le roi des cons. Dans le noir. Papy? Tu dors? Not quite. Papy, tu m'as donné le courage de me sentir grand et important. Je ne peux pas me sentir grand important si je suis tout seul. Your Majesty. Lord François-Marie Daniel Belvoir, we come before you on behalf of the British Crown,
We were given a sample of your DNA and now have the evidence to confirm that.